Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai été contactée par Global Land pour une coopération. J'ai vu des produits très sympas sur leur site et du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns. Vous pourrez retrouver sous ma vidéo tous les liens correspondants ainsi qu'un code promo pour obtenir 10% sur votre commande. Franchement, allez voir ce site, il y a beaucoup de choix. Pour du scrap, mais pas que. Je vous invite donc à regarder sous ma vidéo. Vous trouverez le lien pour y accéder. Aujourd'hui, je vous fais seulement la présentation. On se retrouvera bientôt pour réaliser des tutos avec ce que j'ai choisi. En premier, celui-ci. Je vous montre le code si ça peut vous intéresser pour retrouver plus facilement sur le site. C'est des dailles pour faire des rosaces. Il y a trois sortes de rosaces et quelques petites décorations pour mettre dessus. Super, c'est très très sympa. J'ai vraiment hâte de les essayer. Surtout celle-ci, elle m'attire beaucoup. Il y a même un petit onglet pour pouvoir en faire la longueur qu'on veut. On peut. Ouais, c'est sympa ça. C'est très sympa. C'est bien vu. Ensuite, j'ai choisi ces dailles-là. Voilà, c'est constitué de 3 sets. Alors, on peut fabriquer des fleurs, des petites, des moyennes et des grandes. Et on les retrouve dans ce die-là. On peut remettre des fleurs équivalentes en relief. C'est très très sympa. Et celle-ci, pareil, on peut reconstituer des fleurs et faire mettre en relief. Ça, oui, c'est pareil, je vous montrerai ce que j'en aurais fait. Mais ça m'inspire drôlement. Ensuite, celui-ci. Des jolies fées. On a trois fées. Ici, on en a une quatrième. On a de la décoration, des petites libellules, des papillons et des fleurs. On a un encadrement ici et un deuxième plus grand. Un cercle. Ça m'inspire drôlement en entendant. C'est comme le précédent, ça me donne des idées. Je vous cacherai pas que j'étais en panne d'inspiration. Et là, du coup. Alors, celui-ci, il est un peu plus complexe. Ça m'a fait penser. Je vous mettrai le i de la vidéo que j'avais fait dernièrement. Avec un système de fenêtres. Et là, c'est un peu le même principe. Ça fait un peu comme un objectif, le diaphragme d'un appareil photo. Là, oui, là, c'est pareil. Faut que je teste ça. Vous voyez pas aussi grand. Mais ça peut rendre un truc. Ouais. Ça se met. C'est trois pièces différentes. Je vous expliquerai quand je ferai le tuto avec vous. Parce que là, même pour moi, c'est un petit peu complexe. Mais il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va s'en sortir avec ça. Voilà. Donc, un
il y a des petits cercles, un fanion, des petites, ouais, je sais pas trop, mais ça me fait pas peur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo de présentation d'articles de Globeland. Franchement, pour moi, c'est ma toute première fois et j'espère que on va bien s'amuser. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. À très vite. Bye bye.